Bon bah voilà, on a emménagé et c'est un peu le bazar pour l'instant. Voici notre salon avec quelques meubles. On n'a pas mis tous les meubles ici parce qu'en fait, il va y avoir des travaux, etc. Donc, je l'ai mis dans mon futur bureau dans le préau là-bas. En tout cas, là, pour l'instant, on a mis quand même le canapé, la télé, le minimum parce qu'on dort ici. Tout là-haut, c'est en travaux, peinture, etc. La chambre New York d'Hugo est en train d'être peinte. Le papier peint sera mis dans quelques jours. Enfin, ça va être génial. Mais pour l'instant, on vit ici, c'est le camping. Il y a la couette, il y a les fringues. Je sais même plus, je trouve plus mes fringues. J'en sors une, moi, tiens, je vais prendre ça. Il y en a un peu partout. Mais voilà, c'est ça, on a un toit, on est heureux et on fait avec les moyens du bord pour l'instant. Donc voilà, notre belle cheminée, la cuisine qui pour l'instant va être aménagée comme ça, mais dans 2-3 mois, on va tout détruire ici et on va tout changer. Je crois que ça va être la plus grande métamorphose. La cuisine finalement, dans une web-série de famille, c'est important. Il y a énormément de scènes qui se tournent ici. Donc forcément, on va faire les choses de façon à ce que ce soit optimisé, que l'espace soit bien optimisé et voilà, et joli surtout, hein, joli à voir, etc. Pour l'instant, ça ressemble à rien, il y a des chaises sur les tables, tout va bien. Là ici, il y a la salle de jeu d'Hugo. Grâce à ce mobile, on a quand même beaucoup de jouets. Pareil, j'ai choisi hier soir du papier peint. Je vais faire tout ce mur ici avec un papier peint. On entend les travaux là-haut, c'est le peintre, vous allez le rencontrer, il est super sympa, c'est Mioub. Coucou Mioub. Mioub, il descend. Bonjour, ça va bien? Oui. Alors, ça a bien avancé aujourd'hui? La chambre d'Hugo, elle sera prête dans à peu près combien de temps? Dans 2 jours. Waouh, Hugo va avoir hâte et on vous montrera tout ça, effectivement. Bon, bah, bonne soirée. Au revoir. Mioub, ça fait 2 jours qu'il est là, il avance à une vitesse incroyable, vous allez voir là-haut, c'est méconnaissable. En tout cas, dans cette pièce-là, on va mettre la bibliothèque là-bas dans le coin. Il y aura un petit coin lecture, parce qu'une salle de jeu, c'est aussi une salle, enfin une salle plutôt pour les enfants, c'est aussi une salle où on peut jouer, mais on peut aussi se relaxer, on peut aussi se reposer, avoir des moments, les petits temps calmes, les fameux temps calmes de 14h, là-bas, ce sera ici. Du coup, la bibliothèque, le papier peint, les jeux ici, ce sera vraiment la partie plus jeu, loin de la bibliothèque, où ils peuvent faire des mouvements, sauter, etc. Voilà, cette pièce, elle sera importante, je pense qu'on y passera beaucoup de temps. Allez, je vous emmène en haut voir la chambre d'Hugo et le reste. Nous voici en haut. Alors, ici, c'est la chambre d'Hugo. La fée clochette a disparu, je ne sais pas si vous en souvenez. Le mur violet aussi, je pense qu'il y aura une seconde couche. On peindra avec du gris clair ici, parce que je vous rappelle qu'on fait une chambre sur le thème de New York. Du coup, New York, c'est du jaune, du gris, voilà, ces couleurs-là. Donc, j'ai tout acheté à peu près sur ces tons-là. Du gris, des appliques jaunes. J'ai pris un papier peint que je vais mettre sur tout le mur rose là-bas. Fini le rose, t'inquiète pas Hugo. Donc voilà, le papier peint sera fait dans 2 jours. Et ici, on va laisser blanc et on mettra plutôt des étagères, des commodes, etc. pour ranger les jouets, mais plutôt coloré, toujours en harmonie avec le thème de New York. Son joli lit caravane est bien protégé. Sa vitrine aussi, c'est une vitrine scaphandre, elle est magnifique. Elle est grise, donc elle fera contraste avec le mur blanc, ce sera génial. Si vous avez des idées de déco New York, vous mettez des liens en commentaire, ce sera avec plaisir, tout est bon à prendre. Voilà, on va passer à la chambre parentale, ça ressemble à rien en fait puisqu'on stocke tout dans cette chambre. Voilà, on ne peut pas tourner pour l'instant hein, dans la chambre parentale. Comme je vous ai dit, on dort sur le canapé. Donc voici la chambre remplie de stock, de rien du tout. C'est une maison en travaux. Et ici, c'est la future chambre de bébé. Donc là, le peintre a un gros travail pour reprendre le mur ici et pour mettre un grand papier peint ici avec des petits nuages que je trouve super joli. Et du coup, ça fera mignon. Il y aura le petit lit ici. Je pense qu'on mettra la table allongée ici et l'armoire ici.
Donc Autour de bébé devrait me livrer la chambre dans quelques jours. Donc évidemment tout ça, ben je le partagerai avec vous puisque ce sera une ambiance de ma web série, etc. Et la dernière chambre, et ben c'est mon bureau. Mon bureau, voilà. Alors ça c'est un juste, ça résonne, hein, c'est normal, il n'y a pas encore de meubles. C'est juste un rafraîchissement, donc on fait tout blanc. Et je pense que ça fera tout propre et je pourrai travailler dans les meilleures conditions ici. Voilà où on en est. Je vais peut-être sortir pour faire ma petite conclusion. Voilà, j'ai partagé avec vous notre emménagement. C'est pas évident parce qu'on fait du camping, que je défais le canapé lit tous les jours. On dort là. Et en même temps, moi j'aime bien. On se sent bien ici, Hugo et moi aussi. Là, il est avec son papa, il est à son cours de musique. Et voilà, on est content. On est content, soulagé, parce qu'un déménagement, c'est pas évident du tout. Pour toutes les pièces que je vous ai présentées, encore une fois, n'hésitez pas à participer, à me donner des conseils déco, etc. avant que justement on aménage tout. La prochaine vidéo sera justement la chambre d'Hugo avec le papier peint et toutes ces pièces bien aménagées, bien peintes, avec les meubles, etc. Ceci dit, tout conseil déco, etc. est bon à prendre. Donc, je vous embrasse très fort. Mettez des pouces bleus. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Même si vous regardez mes vidéos, ben, c'est important pour moi que vous vous abonniez parce que ben, ça me fait grandir et ça me donne encore plus de crédibilité. Et puis, ça fait monter les abonnés. Je voudrais atteindre le million. Ce serait énorme de chez énorme. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour l'émission déco.